Avec ce nouveau support, le 49er, nous quittons le classicisme du dériveur pour aborder une nouvelle génération d'engins qui préfigure déjà le dériveur de l'an 2000 et pourrait bien modifier la pratique de la voile légère. Parmi les nouveaux dériveurs, nous connaissions déjà les bateaux à échelle. C'est un bateau à aile qui a été retenu comme série olympique pour les Jeux de Sydney en l'an 2000. L'engin à aile présenté ici est léger, planant, connaît de grandes accélérations pour une vitesse impressionnante, comme en témoigne le sillage laissé derrière la coque. Remarquons dès à présent que les ailes sont larges, basses et nécessitent une vigilance constante de l'équipage pour surveiller l'assiette du bateau. Le 49er est bien un drôle d'engin. En chiffres, c'est 2,90 m de largeur pour 4,99 m de longueur. Si le foc et la grand voile représentent une surface de 21 mètres carrés, le spi asymétrique fait à lui seul 38 mètres carrés, ce qui porte à 59 mètres carrés la surface totale pour que les équipages puissent aller s'éclater sur de longs bords de portant.
Donnons un instant la parole au coureur afin que ceux-ci nous proposent une première explication technique relative aux manœuvres, moment délicat à négocier en 49er. Pendant le virement de bord, il faut éviter de mettre les ailes dans l'eau. À cet effet, la solution que l'on a pour l'instant retenue est que l'équipier s'occupe de l'assiette du bateau pendant que le barreur s'occupera de la trajectoire, avec, comme vous pouvez le voir, un deuxième problème qui va être la récupération du stick après le virement de bord. Le foc auto-vireur aura été pré-réglé avant le virement de bord. L'équipier sortira le plus rapidement au trapèze tout en gardant les coudes de grand voile, alors que le barreur s'occupera de la relance du bateau en regonflant le foc. Puis, une fois la vitesse retrouvée, le foc est rebordé, le bateau reprend son allure normale. Il est bien évident qu'un 49er à pleine vitesse est beaucoup plus stable que durant la manœuvre où la perte de vitesse est très grande. L'empannage apparaît comme la manœuvre la plus délicate car le 49er nécessite une perte de vitesse minimale pour lui permettre de garder le plus de stabilité possible. On peut comparer cette manœuvre à un jibe en funboard. La difficulté réside dans les changements de vitesse du bateau et le passage du speed de 33 mètres carrés. L'objectif du barreur est de contrôler la trajectoire du bateau alors que l'équipier doit empanner son speed en évitant qu'il twiste sur lui-même. Pendant cette phase, l'assiette devra être conservée pour éviter de mettre les ailes dans l'eau. L'empannage en 49er nécessite une bonne coordination entre le barreur et l'équipier, ainsi qu'un bon équilibre pour une bonne vitesse d'exécution. Avec une carène très plate, un gréement démesuré par rapport à la coque et des ailes très basses sur l'eau, le 49er est d'une instabilité extrême et demande donc beaucoup de vigilance. D'une façon générale, on peut retrouver les sensations du 49er sur d'autres dériveurs seulement dans la grosse brise. La puissance de ce nouveau dériveur olympique fait toute la différence. Un bon niveau technique sur d'autres séries ne suffit pas, il faut de nombreuses heures en mer avant d'imaginer régater. Thank you.
bonne, hein? Ok, ok. Je vais aller pêcher. Mon nom est Bernard Lutmer et je viens du Canada. My name is Francesco Bruni. I come from Italy. From Portugal. And I'm Pedro Rebelo de Andrade. My name is Fabian and I'm Spanish. I'm Matthias Niemelainen, I'm from Finland. Charlie Muir, UK. Jan Thorstrom from Finland. I'm Simon Daly, I'm from Great Britain. Je m'appelle Sean Couvreur et on vient des États-Unis, San Francisco. Le poids minimum du bateau dans cette configuration, c'est 94 kg. On les pèse une fois pour toutes, aujourd'hui et demain, les deux jours de jauge. Et après, on peut contrôler effectivement un soir, après une course, on prend des bateaux au hasard ou les trois premiers d'une régate et on peut recontrôler si tout est en parfait état. La première chose à faire, donc inscription, peser et la jauge. Là, on a contrôlé donc le poids du bateau, la longueur de l'étai sur le mât, plus le poids de l'équipage. Donc on va contrôler maintenant les voiles, le numéro de voile, plus la marque de la voile. Allez, Fred. Alors, suivant le poids des équipages, il y a trois catégories. Et on adapte la largeur des ailes et un poids correcteur qu'on rajoute à l'arrière pour que les équipages courent à peu près armes égales. Welcome to Brest, to the Société des Régates de Brest. We are very happy to welcome you. So Larry will present you the forecast for the next 2 days, 3 days. Yes. And then Mr. Simon will present you another forecast, including the site and the current of the bay. Les vents, toujours à la fête, vont s'orienter un petit peu au sud, 6 à 8 nœuds. If we are looking each wind direction, you've got this kind of maps. All of things first I'm gonna meet that my dad is a belga first. C'est un bateau qui a eu un circuit professionnel assez tôt en fait. Parce que c'est un bateau assez fun, donc le circuit professionnel est mis en place. Donc il y a quelques épreuves en Europe, en Australie et aux États-Unis qui permettent de gagner des sous. Et puis sur des championnats du monde ou des championnats d'Europe, et ben, les premiers ont aussi des prize money. Et voilà, donc c'est un bateau qui, à mon avis, permet d'avoir des sponsors et en même temps permet de gagner sa vie, ouais. Mais pour les premiers, quoi. Il y a les siphons, il y a un déséquilibre permanent, donc il faut travailler l'équilibre. Et puis il y a la vitesse. La vitesse, on atteint des vitesses de 20-25 nœuds, donc ça va vite. Et tout de suite, c'est plus grisant. Dès qu'on fait une erreur, ça pardonne pas, c'est-à-dire que le bateau se retourne et nous, on est à l'eau. On peut se faire mal aussi si on chapote par devant, on enfourne, on se retrouve facilement contre l'étai. Et il y a moyen de se faire assez mal, mais déjà c'est plaisant parce que c'est un bateau qui va vite par rapport au 420, au 470, c'est un bateau qui plane, et donc rien que par rapport à ça, c'est vachement plaisant. Vous avez le foc, donc qui est la voile d'avant, vous avez la grand voile, qui est une grand voile, comme vous pouvez le voir, assez importante. Et puis on a le spi là, qui en fait un spi qui est assez grand, asymétrique, donc avec un tangon qui part. On a la coque qui est comme tout bateau et puis il y a ce qu'on appelle les ailes. Alors c'est des ailes en fait qui nous permettent d'être beaucoup plus à l'extérieur du bateau. Il y a deux trapèzes qui
permettent aux deux équipiers d'être en fait à l'extérieur du bateau, sortir au trapèze, qui ne se faisait pas avant sur les autres bateaux, sauf sur les 18 pieds australiens. Et donc les deux personnes sont au trapèze, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des grands sticks qui permettent aux barreurs de barrer au trapèze, assez loin. On monte pas sur le bateau et ça avance tout seul. Comme c'est un bateau qui est quand même représenté aux Jeux Olympiques, il faut forcément faire la différence. Et la différence, elle se fait notamment aussi avec les réglages de mât et les réglages de voile. Ça fait partie du jeu. C'est une pièce maîtresse de la victoire.